Hello. Nice to meet you. Oh, que je suis contente de vous retrouver, mes héros et héroïnes, pour le number 34. Aujourd'hui, c'est être à l'écoute d'Antonio Rosminini. Alors, cette merveilleuse âme a délivré un message. Attention. L'homme peut se démener autant qu'il veut. Il peut prêcher et suer. Il ne fait rien si Dieu n'accompagne les paroles de l'homme du don ineffable et gratuit de sa grâce. Oh, ça mérite qu'on le répète, ça. L'homme peut se démener autant qu'il veut. Il peut prêcher et suer. Il ne fait rien si Dieu n'accompagne les paroles de l'homme du don ineffable et gratuit par sa grâce. Oh, y en a qui bouent, qui sont pas contents du tout et qui croient que c'est parce que ils vont dans tous les sens et qu'ils courent. Qu'ils ont plus d'honneur. Eh ben non, ça sert à rien. Ça sert à rien. À part faire du mal à tout le monde. On ne peut faire du bien qu'avec la douceur. Et la douceur est une vertu. Une vertu qui implique un petit renouvellement perpétuel intérieur. Petit renouvellement perpétuel. Pas besoin de faire des grandeurs à chaque instant. Pas besoin de faire la royauté à chaque instant. Juste faire petit. Petit, petit, plus petit, plus petit, plus petit. Égal grandiose. Petit, plus petit, plus petit, plus petit, égal grandiose. Ah, c'est joli ça. Eh, ça pourrait faire un nouveau jingle. Petit, plus petit, plus petit, égal grandiose. Tu, 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 tu. Ah, j'adore. Bon, bah, c'est à te juger, hein, voilà. Petit plus petit plus petit égale grandiose. Tu 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 tu. Pouf. Bon, l'homme peut se démener autant qu'il veut. Il peut prêcher et suer. Il ne fait rien si Dieu n'accompagne les paroles de l'homme du don ineffable et gratuit de sa grâce. L'homme peut se démener autant qu'il veut. Et là, faut ressentir. Il peut prêcher et suer. Oui, c'est bien d'écouter, mais il faut ressentir. Il ne fait rien si Dieu n'accompagne les paroles de l'homme du don ineffable et gratuit de sa grâce. Faut ressentir. C'est bien intellectuel, hein, mais si vous ressentez pas, ça sert à rien. Hein. Ressentir. Comment voulez-vous goûter à la grâce de Dieu si vous ne ressentez pas que vous êtes des cailloux tout durs?
Mais chérie d'amour, comment on fait? Si on est tout dur et tout ça, eh ben on casse. Eh ben voilà, on casse comme des cailloux tout durs. Voilà, ça c'est quand même physique, hein. Les scientifiques vont pas dire le contraire, hein. Si vous avez un caillou tout dur et tout vieillot, il s'effrite. Vous avez même pas besoin de le casser des fois, il s'effrite tout seul. Bah oui, voilà, c'est génial. L'homme peut se démener autant qu'il veut, il peut prêcher et suer. Il ne fait rien si Dieu n'accompagne les paroles. Il ne fait rien si Dieu n'accompagne les paroles de l'homme du don. Parce que même quand on croit donner, on croit que son petit moi donne là, on est tout content, on est tout fier, mais à quoi ça sert d'être fier de donner? Quand tu donnes vraiment, déjà t'as pas besoin d'être fier d'une. Oui, parce que si t'es fier, c'est qu'il y a un problème. D'une. Et de deux, ça ne t'appartient pas. En fait, ce que tu crois donner, si tu crois donner, c'est parce que tu crois que ça t'appartient, en fait. Mais ça t'appartient pas, mon chouchou. T'as beau trimer tout ça, ça t'appartient pas. T'es dans l'illusion que tout ça t'appartient, parce que c'est légitime de se dire oh, « bah j'ai trimé, alors !» Bah alors quoi? T'as trimé, d'accord, alors quoi? C'est malheureux. D'ailleurs, il y a quelqu'un de très intéressant qui a dit un jour qu'on faisait que rendre ce qui appartenait déjà aux autres. Ouais, en effet, c'est fort intéressant de se rappeler ça. Ça ne nous appartient pas. Rien ne nous appartient. Et que ce qu'on croit donner, en fait, on rend ce qui a été volé. On ne fait que rendre ce qui a été volé, les chouchous. Alors, il n'y a pas de quoi être fier là-dedans, hein. Vraiment pas de quoi. Bon, bah sur ce, je vous fais des gros bisous. I love you.